monsieur, j'aurais voulu 2 heures de train pour aller à Toulouse. Attends, jeune homme, mais où sont tes parents? Là, dans la boutique, ils m'ont demandé de me renseigner pour nos prochaines vacances à la neige. D'accord, Toulouse? Oui, puisque de là, je prends le bus pour aller à la station des Mondoles. D'accord. Alors, Toulouse? Oui, Toulouse avec un T. Alors, Toulouse? Oui, comme ça, c'est qui pareil. Toulouse? Oui. Alors, vous avez un départ Gare d'Auxerre 6h57, arrivée Toulouse 15h23, ensuite départ 8h32, arrivée 17h46. Oui. 17h42, 19h25, c'est un rapide. Je comprends. Un 13h20, 21h16, 17h02, un 23h03, un 18h40, un 0h22. Oui, donc c'est très bien, monsieur, c'est pour Toulouse. Oui, mon petit bonhomme, parce que tu me l'as demandé, Toulouse. Non, mais il n'y a pas de problème, ils sont directs. Non, c'est une nuit de 13h20 et il y a un changement à Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Toulouse. Mais oui, mon petit gars. Et sinon, on tirait tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes, là. Il y a des vedettes, il est marin, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'aurez pas un train qui partit plutôt que celui de 6h57. Mais oui, il y en a un qui part à 5h30 du matin. Parfait, je prends celui-là. Oh putain, mais c'est pas possible, elle m'a refilé des emmerdes celle-là. Chier. Attends Sophie, j'arrive. Ah, dépêche-toi. C'est bon, hein. Putain, qu'elle est cruche. Putain, t'as mal où? Au genou. Oh. Bon allez, je descends à la station, je vais chercher du secours. Hein. Bouge pas, hein. Mais je vais pas bouger, abruti. Excusez-moi, je suis un partage, te retenu à Paris par une copine, enfin une chieuse, une histoire sans intérêt. Quel est votre nom? Jessie. Et vous? Dux, avec un D. Et où sont vos parents? Oh, ils sont au forfait, ils m'ont chargé de récupérer les clés de l'appart. Alors famille Duss, appartement 14, on attend vos parents? Non, 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 vous pouvez me faire la visite, en plus on a presque le même âge, vous pouvez me tutoyer. Plaisir. Mademoiselle Gigi, s'il vous plaît. D'accord, c'est quoi la crêpe Gigi? Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux. Oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec un coca. Ah non, nous ne faisons pas de cela ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Je reviendrai plus jamais ici. C'est ça, ouais, dégage. Et quand on n'a pas de fric, on vient pas au ski, hein. Allez, dégage, pour qui elle se prend? Non mais tu te crois où, tête d'abruti? Et qu'on ne te voit plus ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est encore une crêpe au sucre. Et c'était quoi ton urgence tout à l'heure? C'était Sophie qui s'était fait un petit luxation au genou. Rien de bien grave, et puis vu que je fais un peu de secourisme, j'ai pu faire un peu de pratique. Ah, la pauvre, alors elle est sympa, Sophie? Ah oui, bien roulée, limite... intelligente. Et puis même si on a passé que 2 minutes ensemble, j'ai senti qu'on se comprenait. Mais tant mieux pour toi si t'as passé un bon moment. Moi j'ai travaillé toute la matinée, je suis crevée. Tout ça parce que mes parents veulent l'économie d'un saisonnier. Je suis très fatiguée. Enfin, si ça t'intéresse bien sûr. Non mais, excuse-moi Gigi, je plaisante. Tu m'énerves pas, c'est juste que t'as énormément de chance de rencontrer des gens intéressants tout en jouant à le secourisme maison. Moi je me fais chier à ces verses têtes de con qui réclament toute la journée des crêpes au sucre. Non mais, excuse-moi Gigi. Sylvia, la fille de l'esthéticienne. Ah Sylvia, c'est fou, t'as tellement changé, je t'aurais jamais reconnue. Comment tu vas ma grande? Très bien, merci. J'ai changé, non? Je vis une aventure formidable avec un garçon. Tu veux rester? Tu veux boire quelque chose? Il y a toujours des clients
qui est là, c'est un truc, un bout de crêpe, un fond de verre. Non merci, je suis passée en coup de vent. Il y a Marius qui m'attend dehors, là, vous le voyez? C'est le vieux, le garçon avec la casquette. Oui, c'est Marius. Il a déjà une copine. Et il faut pas le dire, c'est un secret. Ouais. Bah, les jeux filent, hein. On est venu te donner notre argent. Et on est des bons clients, hein. Tu peux compter sur nous. Nos parents nous ont donné un budget à nos limites. Eh bien, tiens, venez rentrer. C'est une nouvelle boutique. Dis donc, c'est immense chez toi. Bah, c'est-à-dire, c'est au père de ma copine, mais c'est un peu comme si c'était à moi, hein. Chez la vente. J'expliquerai. Alors, comment tu te sens? Pas terrible, j'ai les gros orteils qui touchent. Ok, t'arrives à décoller le talon? Ouais. Mais non, le talon dans la chaussure. Ouais, j'y arrive. Popeye, tu le mettras une semelle. Oui, oui, je lui mettrai une semelle, par en dessous. Oui, c'est ça, oui. Et le magasin, il ferme à 8h, pas 8h moins le quart. Et tu passeras le bailler, parce que hier, c'était dégueulasse. J'arrive tout le temps, oui. Il adore ça. J'expliquerai. Bon ben les amis, vous êtes bien équipés maintenant, hein. Dis donc, tu nous fais une remise, s'il te plaît? Bah oui, pas de problème, je vais leur demander, au cas où. Non. C'est pas très commerçant, hein. Avec tout ce qu'on a pris, ce serait la moindre des choses. Ah, c'est-à-dire... Enfin, ça ne dérange pas, mais c'est à son père, et son père rentre ce soir, ça va être un peu... Non, c'est bon, je vais vous régler avec une carte Visa. Non mais, vous avez le droit de vous servir de la carte de vos parents? Mais oui, ils nous font confiance. Vous avez une pièce d'identité? Mais c'est des amis. Justement. J'expliquerai. Non mais c'est bon, te casse pas, on a compris. It's May, joli mois de mai. Girls' knees are showing. The hair is blowing all over. Cause it's May, it's May. Get high as honey. Throw away money. And don't ever say no way. Je comprenais rien. Et tu me fais penser, j'en ai connu au lycée un intello. Mais faillot comme pas deux, il se la jouait journaliste. Journaliste? Enfin, journaliste. Pour le bricolage pour les nuls, version 12-15 ans. Ouais, Jessie, vas-y. À votre avis, quels sont ses principaux défauts? Il est raide comme un piqué. Elle tente pas son bâton. Il est surtout très en arrière. Ah, attention quand même. Bon, bon, ça va, hein. Je débute, je vous rappelle. Voilà, nous sommes tous d'accord pour dire que Jessica est nulle. Ouais, ouais, complètement nulle. Bah, figurez-vous que c'est la moins mauvaise d'entre vous. Non, mais... Quel est le principal défaut d'Adriana? Elle est égoïste. C'est malin, ça. Claudia, ce qui se passe, c'est que tu te sers que d'une seule jambe. J'ai l'impression que tu as eu un accident. T'as une broche à la jambe? Alors ce que tu vas faire, tu vas retirer un de tes skis et tu vas voir que les deux jambes sont utiles. Vas-y, retire un de tes skis. Mais c'est complètement débile, je vais me casser la gueule. Allez, je veux que tu le sentes. Alors, tu le sens bien, là? Ouais, ouais, j'ai bien senti, là, j'ai bien senti! Alors, toi, c'est le cas, Charlotte. Mais j'ai l'impression que tu prends du ski, t'es tout en arrière. Non, c'est pas ça, mes chaussures, elles sont tirées à forme. Regarde. Ah ouais, t'as intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous. Tu passeras au magasin, ça. Tu vois bien que ça fait mal. T'as mal où? Arrête-toi, ça danse.
Bon, tu vas voir, c'est pas grave, c'est juste la tête de l'os qui est sortie de son logement. T'as du bol, j'ai eu ça le mois dernier en cours de secourisme. Tu vas voir, je vais te remettre ça très vite et ça ira mieux ensuite. Et ça va faire mal? Non. Bon, Gigi, j'ai besoin de toi. Bon, Gigi, j'ai besoin de toi. Tu vas lui donner un grand coup de bâton sur la tête pour détourner son attention de la douleur. Mais tu le fais que à mon signal. Oui, oui. T'as compris? Oui. Que à mon signal. Oui. Bon, allez, viens, on y va. Ok. Aïe! Pourquoi tu lui as donné maintenant? Mais tu m'as donné un coup de bâton. Mais si j'avais fait le signal, t'es con ou quoi? Mais tu me dis, j'ai donné un coup de bâton, faut savoir ce mais que tu veux. Mais je t'ai jamais donné le signal, t'es une cloche. C'est bon, je vais le faire. Bon, viens. Bon, à mon signal, tu vas lui donner un grand coup de bâton sur la tête. T'as compris? Pour lui détourner son attention de la douleur. D'accord. Mais seulement à mon signal. T'as compris? Mm-hmm. Allez, on y va. Allez. Dis-moi, c'est fini là? Oui, bientôt. Ah! Aïe! Pourquoi tu l'as pas fait au bon moment? Eh bien, tu m'as fait signe. Et tu vois pas qu'elle a mal là? J'ai mal à la tête! Tu veux de l'aspirine, ça soulage. Je t'en mets, moi, de l'aspirine. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, toujours à se plaindre et jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais quoi? Gigi, elle est revenue avec un autre garçon. Mais de quel Gigi tu me parles? Mais tu sais, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger son popotin. Ah d'accord, elle est revenue. Ouais, et pas toute seule. Elle a un nouveau mec. Jessie, qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, il l'a bien cherché. Pourquoi? Comment ça? Tu te souviens pas? Non, pourquoi je devrais? Rappelle-toi l'année dernière, quand on a fait la boum. Cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, c'est vrai, même qu'elle lui avait collé une gifle. Ouais, tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau mec. Ah ben nous, on est bien tranquille. Hein. Pas de copains, pas de problème. Ah ça, c'est vrai, ça. Eh oh, Adriana, je suis là. Dis, tu viens dîner avec nous ce soir? Ah non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. T'as un rendez-vous? Mais avec qui? Avec la fille de la patronne de l'hôtel. Elle a tellement insisté pour ce rendez-vous. Ce serait trop dur pour elle si je lui posais un lapin. Mais tu me sidères, ça fait à peine un jour qu'on est là et t'as déjà un rendez-vous. Écoute Adriana, je pense que toi et moi on a un peu le même problème. On peut pas tout miser sur le physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, oublie tes confiances et vas-y, fonce. Sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais faire une dernière descente. Hé, hey, magne-toi, ça va fermer. Flexion, pique du bâton. Oh c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. Tu veux qu'on aille prendre un chocolat? Ouais. Je crois que je vais vomir. Je vais te le planter le bâton, moi. Je vais te le planter le bâton. Ah, ça va? Ouais, ça va, ça doit être le soleil. En fait, je vais te dire, pour le planter du bâton, hein, ça va pas du tout. Hein. C'est bien flexion, extension, planter du bâton. Hein. Ouais. Mais c'est, sérieusement, hein, vraiment pour le retravail. Sérieux. Oh non, pleure pas, d'accord? On va se revoir. De toute manière, j'ai pas le choix, tu sais bien. Hein? Allez. Oui, mais je suis désolée, mais j'arrive pas à me contrôler. Je suis très possessive, il faut que tu t'y fasses. Écoute, dès que j'arrive, je t'envoie un SMS, je te tweet toutes nos photos de vacances, d'accord? Et puis, tu seras pas seule, il y aura les copains avec toi, vous dînerez tous ensemble. Oui, je les aime bien, mais à petit tôt, je sais pas quoi leur dire, moi. Je me sens tellement différente. Mais tu es différente. C'est pour ça qu'on est ensemble, toi et moi. Sûrement. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Pas possible.
Vous ne pouvez pas la libérer. Bon, dommage, elle aurait passé une bonne soirée, les jeunes de son âge. Hein. Et, dis, quoi ? Elles sont bizarres ces chips, non ? Bravo, c'est intelligent. T'as vu ça un peu ? Ouais. Écoutez, faites travailler votre personnel, mais c'est qu'une enfant, je vous rappelle. D'accord, elle apprend le métier, mais bon, là, voilà, elle ne sait plus respirer. Si vous changez d'avis, dites-lui de me rappeler. Merci, madame. Ah, pardon. Merci, monsieur. Alors, tu seras combien ? Deux, toujours deux. En principe, elle est en route, là. Alors, Jessie, c'est avec Sarah, la fille de l'hôtel, nous mouflons ? Ah non, ça, c'est terminé. Non, non. C'est Annie. On s'est rencontrés sur les pistes. J'ai fait tomber, elle s'est fait mal. On a sympathisé tout de suite. Ouais. Bon, en fait, pour demain, on se fait une balade à raquette, hein. Vous êtes d'accord, hein ? Ah ouais, ouais. Jessie, tu viens toujours pas ? Ah non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Et là, j'ai de bonnes chances de conclure. Il s'appelle Tina. Tina. Son père travaille à la télé, sur une télé régionale. Ah ouais, ouais, mon père travaille à la... Ouais, mon père travaille à la télé, il fait la météo. Ouais. Ah, ouais. Oh, il me semble avoir déjà vu. Ah bah ouais, normal, il fait la pluie et le beau temps. Très bien. Coucou, c'est moi. Et j'arrive pas, les mains vides. Oh putain, super du jus de fruits. Ah non, non, c'est pour moi. Je digère pas les boissons gazeuses, ça me donne des gaz et ça me ballonne, c'est dingue. Mais dis-moi, Sylvia, ton père, il travaille pas dans un salon de coiffure ? Oui et non, mon père s'occupe de perruques, de toupées, de postiches. Et ça, ça marche, ça. Il y a de la demande pour des trucs comme ça. À part pour les fêtes et les anniversaires, c'est pas évident. Tu rigoles, ça cartonne, mais surtout avec Internet. Il m'arrive même d'aider mon père à prendre des commandes en ligne. Et il y a des femmes chauves qui demandent des perruques, des fois ? Eh ben, bien plus que tu ne le penses. Il y a même des femmes connues. Valérie Trier-Veller. Comme ça. Ça m'étonne pas, la pauvre. Quand elle a appris que son mari la trompait, elle a dû s'arracher les cheveux. C'est pas vrai, c'est que... C'est que des conneries. Mais pas du tout, c'est du sérieux, je vous assure. Et tu connais des personnes connues qui en portent ? Très bon jus de fruits, hein. Oui, mon père a travaillé pour l'acteur Christian Clavier. Non, ça te la raconte pas, là. Non, non, je vous assure. À un moment donné de sa carrière, il a voulu changer de personnalité. Il voulait un bouc roux. Un quoi ? Un bouc roux. Ah, un bouc roux. Oui. Il l'a jamais porté. Oui, il voulait changer de personnalité, mais il l'a jamais porté, je crois. Bah oui, on s'en souviendrait quand même. Bon, mais tant pis, merci. Au revoir, monsieur. Ah, pardon. Au revoir, madame. Alors, elle vient ta copine ou pas ? Oui, il y a qu'à attendre, elle va venir. Elle est pas un peu épaisse là ? Ah ! Va falloir sortir les ciseaux là. Ah. Oh putain, mais il y a du vrai fil là-dedans. Qu'est-ce qui t'a mis du fil ? C'est mangeable. Si c'est une bagarre, elle est vraiment de mauvais goût. Merci Adriana, c'est une blague de crétin ça. Quoi ? Mais c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Alors c'est toi Kevin, tu étais dans la cuisine. Non, moi j'adore la fondue, j'aurais jamais fait une chose pareille. Oh, moi là c'est Sylvia, excuse-les. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, tu trouves que c'est pas grave ? Moi je trouve ça complètement con. À cause de ça, ça fout la bouffe en l'air. Non mais Adriana, c'est vraiment pas drôle. Hein. Mais c'est pas moi, j'ai rien fait, merde, laisse-moi tranquille. Bon, Adriana, calme-toi. Il reste de la tarte aux myrtilles et de la salade. Qui en veut ? Quelqu'un veut de mon jus de fruits ? Non, mais non. Bon, Amélie, je crois que t'as une pâtisserie à nous proposer. Et si ça va, venant de ta part, c'est sûr que ça me surprend. Et oui, aujourd'hui, il y a le dessert d'Amélie. Non, moi ça va, merci. Quoi ? Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de le goûter, non ? Il y en a marre des gens qui se comportent comme des sagouins ici. Moi, proposer gentiment, je veux bien la goûter. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est une tarte aux pommes. Pourquoi ? Elle te revient pas ? Mais ça va, pourquoi tu m'agresses ? Parce que tu regardes ça comme si c'était du purin. Mais ça va, mais c'est, de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre ? C'est même pas toi qui l'as faite. Bah si, justement. Ah bon. Dis-moi, t'as passé toute la matinée là-dessus ? La vache, ça te rend pas aimable ça, hein ? Bon, sur 10 pâtisseries qu'il y a dans le coin, tu préfères te taper le pâtissier, la tarte. Ça me détend. Ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez pour la goûter ? Vous ne me dites rien ?
Liège, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand heureux Liège, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand heureux Liège, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux.